Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire TikTok et la science, la belle rencontre. Je suis Guillaume Desbrosses, directeur du Centre de culture scientifique La Rotonde, basé au sein de l'école des mines de Saint-Étienne, et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. Nous allons donc nous balader dans le réseau social TikTok, créé en septembre 2016 par le géant chinois ByteDance, et explorer la place de la science sur cette plateforme très populaire chez la jeunesse. Commençons tout d'abord par quelques chiffres marquants issus de Médiamétrie. Pour la France, le nombre d'utilisateurs d'actifs mensuels de TikTok est de 14,9 millions. En France, 72% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. 67% des jeunes de 13 à 17 ans sont sur TikTok et le classent en troisième position des réseaux sociaux les plus utilisés. En 2023, 67% des utilisateurs de TikTok sont des femmes. En moyenne, le temps passé sur l'application est de 48 minutes par utilisateur et par jour. Un utilisateur ouvre l'application 9 fois par jour en moyenne. 270 millions de vidéos créées par les utilisateurs français sur la plateforme TikTok. Des chiffres très importants qui nous questionnent. Devenu aujourd'hui un acteur incontournable des réseaux sociaux, il déclare rassembler plus d'un milliard d'utilisateurs et d'utilisatrices dans le monde. Mais il est aussi pointé du doigt par de nombreux pays et soulève des questions d'ordre géopolitique. Comment les sciences, la recherche, la culture scientifique s'emparent-elles de ce réseau social? Le pari de la diversification des publics est-il relevé? La science peut-elle trouver un espace entre divertissement et activité sportive? Quel effet, quelle incidence sur la jeunesse en termes d'acquisition de connaissances et de compréhension de la complexité du monde? Quel engagement, enfin, ces modalités de communication impliquent-ils pour le monde de la culture scientifique? C'est à ces quelques questions que nos invités répondront à l'aune de leur analyse, mais aussi de leurs usages et pratiques de ce réseau social qui, aujourd'hui, attire les plus jeunes et parfois suscite le questionnement, voire inquiète leurs aînés. J'ai donc le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir dans ce webinaire nos trois invités qui nous accompagneront cet après-midi. Julien Beaubreuf, tout d'abord, vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay dans le groupe de recherche La physique autrement. Engagé depuis des années dans la vulgarisation scientifique et en recherche active pour proposer des formes de médiation innovantes pour les publics. Le 9 mars 2022, vous publiez votre première vidéo science sur TikTok et aujourd'hui, une grande communauté vous accompagne et s'immerge avec vous dans la physique. Merci pour votre présence, Julien, aujourd'hui. Irène Christofori, vous êtes enseignante-chercheuse en neurosciences à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, spécialiste des modes d'apprentissage via les écrans, et vous nous éclairerez aujourd'hui sur les mécanismes qui se jouent dans notre cerveau lorsque nous utilisons les écrans et notamment TikTok. Merci à vous d'être avec nous. Enfin, Julien Picard-Monnet, vous êtes directeur de publication du média Curieux, coporté par quatre centres de sciences et qui chaque jour publie du contenu de curiosité scientifique. Fort d'une communauté de 2 millions d'abonnés sur TikTok, vous faites de ce média un outil massif de diffusion des sciences. Merci à vous de prendre le temps de nous présenter vos travaux. Nous allons passer un temps d'échange ensemble et si vous le souhaitez, vous qui nous suivez derrière vos écrans, vous pouvez aussi via le fil de discussion sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de La Rotonde poser vos propres questions que nous reprendrons au cours du webinaire. J'en profite pour remercier Enzo qui va gérer la technique de ce webinaire et entrons tout de suite dans le vif du sujet par une première question pour vous, Julien Beaubreuf. Attention, ça arrive. Vous êtes actif depuis maintenant pas mal d'années sur ce qu'on appelle les internets. Peut-être c'est les vieux d'ailleurs qui appellent ça les internets. Pourquoi avoir fait le choix d'aller sur le réseau TikTok? Julien, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. C'était pas un choix facile. C'était pas un choix facile parce que ben, nous on a plein de doutes sur TikTok, sur le format qui est ultra court, et puis tous les problèmes aussi éthiques et géopolitiques dont on a parlé. Ce qui nous a quand même attiré, c'est deux choses. La première, c'était le chiffre vertigineux. Je crois qu'en gros, 70% des moins de 25 ans ont un compte actif sur TikTok. Donc, si on fait de la vulgarisation scientifique et qu'on veut toucher les jeunes, à un moment donné, il faut aller là où ils sont. Et puis l'autre raison, c'était l'attrait du format. En fait, ça nous amusait. Nous, dans notre équipe, on essaie de tester plein de formats différents. Et donc, ce format un peu impossible, d'un truc en vertical, de 1 minute 30, avec des tas de modes qui sont très différents de ce qu'on avait pu rencontrer, par exemple, sur YouTube, ben, ça nous intéressait de tester, de voir les limites du format. Est-ce que vraiment on était capable de parler de science, de parler de recherches récentes, de parler de fondements, de parler même d'équations, par exemple, dans ce format TikTok? Donc, c'est tout ça qui, moi, m'a attiré et qui nous a attiré pour tenter l'aventure. Donc un mélange de chercher les cibles qui sont plutôt des adolescents, si j'entends ce que vous dites, et également un format créatif plutôt surprenant qui relève du challenge. Ouais, On est là-dessus. exactement. Ouais, Julien. Pardon. Non. oui, pardon, pardon, allez-y, allez-y. Non. Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, qu'est-ce qui a motivé l'équipe de Curieux d'aller sur TikTok?
Bonjour. Alors, au départ du projet, on avait quand même pour mission d'essayer de cibler tout le public possible et imaginable qui existait sur le digital. Et donc, on est parti sur TikTok comme on est parti sur tous les réseaux sociaux en même temps, en lançant des choses et en testant différents formats. Et il s'avère que quand on s'est lancé sur TikTok, c'était juste avant le premier confinement de mars 2020. Et donc on s'est tous retrouvés chez nous à travailler. Et donc on s'est dit, bah tiens, on vient de se lancer sur TikTok, on a tous beaucoup de temps. Et donc du coup, on a passé notre confinement à tester, à faire des vidéos sur TikTok. Et il s'avère que c'était le format qui allait ensuite prendre le lead sur tous les différents réseaux sociaux. Est-ce que Curieux n'est pas né de TikTok? Curieux était là avant? Bien Curieux ça? était là avant. Curieux s'était lancé en septembre 2018. Et on s'était lancé principalement avec l'idée de développer Instagram. Et on avait laissé de côté YouTube en se disant que c'était un marché mature, puisqu'il c'est un réseau social qui avait 15 ans à peu près. Et il y avait déjà beaucoup d'acteurs qui étaient implantés avec des grandes bases d'abonnés. Et on n'avait pas les moyens financiers pour pénétrer sur ce marché, puisqu'il aurait fallu acheter beaucoup de publicité pour se faire connaître. Donc on avait décidé de partir sur Instagram, qui était un peu moins, on va dire, gros à l'époque. Et on était à l'époque où Musical.ly, qui était l'ancêtre de TikTok, venait d'être acheté par les Chinois. Et donc du coup, ça devenait TikTok. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commençait à entendre parler de TikTok. Personne n'y allait parce que tout le monde en avait un peu peur, en se demandant un peu ce que c'était, ne connaissait pas trop ce milieu et autres. Et donc on est arrivé au moment où tout était possible puisque personne n'y était. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, finalement, notre entrée sur TikTok. Et si on reprend l'histoire avec Musical.ly, on était en plus sur le début de TikTok, sur des vidéos qui étaient plutôt des jeunes en train de se filmer, en train de chanter ou de faire du playback sur des danses. La partie culturelle n'était pas du tout pas encore présente. Quand vous êtes arrivé, c'était quand Elle même était des. très peu présente. C'était principalement. Alors, il y avait déjà une sorte d'écosystème avec des gros influenceurs qui avaient des communautés énormes. Je pense par exemple à Lena Vivas, qui était juste inconnue auparavant, mais sur TikTok, elle était très connue. Elle avait 2 millions, 3 millions d'abonnés. Elle faisait principalement de la danse, mais elle n'était pas présente sur YouTube et les autres, elle était très peu connue. Et donc du coup, il y avait tout un écosystème d'influenceurs, de gens qui produisaient du contenu, mais il y avait très très peu de gens qui faisaient de la culture. Il y avait néanmoins un média qui est intéressant qui s'appelle Explore, qui fait des vidéos un peu de curiosité, mais plutôt techniques, industrielles et autres. Et eux avaient senti le truc, étaient plus vieux que nous, hein. Ils ont 7-8 ans à peu près d'existence, on a 4 ans maintenant, et avaient lancé un compte Musical.ly et ils diffusaient des contenus de culture. Donc ils étaient déjà présents et ils avaient déjà un petit million d'abonnés de mémoire. Et donc il y avait quelques comptes, mais la plupart du temps c'était que de la danse. Voilà. Okay. Donc on va revenir après un peu plus loin sur ce qu'on fait sur ce réseau social, sur Curieux, à la fois du côté de Julien Bobroff. Irène Christophori, de votre côté, c'est une posture qui est différente puisqu'on est sur celle de la recherche, de la science en train de se faire. Vous êtes enseignante-chercheuse, je l'ai dit tout à l'heure, et vos domaines de prédilection sont les neurosciences cognitives. Alors comment en êtes-vous venue à travailler sur l'impact des écrans sur le cerveau? Alors, on va dire, on est arrivé un peu de façon indirecte. Moi, je suis intéressée à la plasticité cérébrale, donc c'est-à-dire comment les cerveaux s'organisent, se réorganisent tout au cours de notre vie. Donc, tout au long de notre vie, selon nos expériences, selon ce qu'on fait, selon comment on passe notre temps, notre cerveau va se spécialiser sur certaines fonctions cognitives. Donc moi, je suis intéressée à ça et surtout à un volet aussi un peu plasticité suite à des traumatismes. Donc c'est pour cela que je me suis intéressée à ces aspects-là, surtout aussi en tant qu'enseignante pendant les confinements, dans lesquels je me suis rendue compte que pour la première fois peut-être, nos adolescents passaient beaucoup, énormément de temps sur les écrans, au sens large, pour des enseignements à distance, pour faire des comptes rendus. Donc c'est à ces moments-là que je me suis posé la question de l'impact de tout ce temps passé devant l'écran sur des aspects au sens large de la cognition, de nos interactions sociales. Donc, on sait que, donc, on est des êtres sociaux. Donc, je me suis posé la question si l'interaction sociale qui se passe dans ces réseaux est pareille de ce qui se passe dans notre vie quotidienne, donc dans les réels.
Donc voilà, j'ai commencé à me poser ces questionnements et c'est comme ça que je suis arrivée sur ces domaines. Donc ça veut dire c'est assez récent comme intérêt. On va pouvoir développer un peu plus tard, encore une fois, sur ce dont vous travaillez, pardon. C'est amusant de noter que le confinement, à la fois du côté des collègues de Curieux et à la fois de votre côté, a révélé aussi une envie d'aller soit étudier, analyser ou produire du contenu. Ce confinement qui nous a mis tous dans des situations un peu précaires a aussi été source de créativité, il faut le noter par moment. On va revenir à TikTok et je notais dans l'introduction la présence en masse des adolescents. Bien évidemment, c'est la thématique du jour et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de la jeunesse. Il y a une profusion d'offres sur TikTok. Je ne l'apprends à personne si vous êtes déjà allé sur l'application et vous l'avez lancée sur votre téléphone. Entre le bricolage, la danse, le sport, la musique, la politique, le divertissement, la culture, la beauté, la musculation et j'en passe. On fait le choix d'aller sur ce réseau-là avec une offre de science, avec une offre de culture scientifique. Il y a une volonté bien évidemment d'être visible. On n'y va pas pour être invisible. Alors comment on s'y prend pour vaincre l'algorithme et donner une chance à son produit? Julien Bobroff, on fait comment pour être visible sur TikTok? J'en ai aucune idée, c'est dramatique. Je suis nul, mais à un point. Et alors, c'est même pire que ça, je ne sais absolument pas anticiper. Donc, pour vous dire, hein, donc nous, on y a été en racontant juste ce que j'avais envie de raconter sur la science. On a des vidéos qui ont cartonné, d'autres qui ont fait des bits complets. Et on s'amusait même souvent dans l'équipe à se dire, tiens, les vidéos de la semaine, ça va être ça. Alors, à votre avis, laquelle va marcher? Et on se plantait, mais systématiquement. Donc, un, je suis incapable de comprendre pourquoi certaines vidéos cartonnent et pas d'autres. Et plus généralement, je ne comprends rien à l'algorithme, par exemple. Sur TikTok, nous, en septembre, ils ont décidé que stop, et tous nos chiffres ont chuté brutalement d'un facteur 10. Et dans le même temps, on s'est mis sur Instagram, parce que là, on parle de TikTok, mais maintenant, Instagram et même Facebook et YouTube ont récupéré exactement les mêmes formats. Donc, moi, mes vidéos, je les mets sur tous ces réseaux-là, et voilà. Et dans le même temps, Instagram a explosé chez nous, et soudain, on a eu en quelques mois 200 000 abonnés. Donc, et maintenant, TikTok remarche, et Facebook, j'y comprends rien. Donc, je crois que nous, on met notre contenu, on y va, on alimente, on essaie d'être régulier. Moi, je fais quelque chose qui est à peu près constant dans la forme. Et puis, eh ben, il y a des vidéos qui marchent d'enfer et d'autres pas du tout. On n'est pas du tout dans la même chose que YouTube ou autre parce que ça ne joue pas du tout sur les abonnements. Ça joue vraiment sur ce que l'algorithme a envie de promouvoir ou pas. J'ai lu plein de vidéos qui donnent plein de conseils sur alors il faut faire une vidéo longue ou courte ou de telle façon ou telle autre. On fait nous ce qu'on a envie et puis on croise les doigts. C'est pas terrible hein, comme réponse, hein. Dire, Julien, que vous avez quand même une analyse et vous avez essayé d'analyser cet algorithme-là. On a l'impression qu'il est insaisissable, hein, d'après ce que je comprends. Il n'y a pas de logique en fonction des thématiques de vidéos qui vont faire des cartons et d'autres qui sont peut-être aussi bien, voire mieux, qui ne fonctionnent pas. Mais il y a quand même cette logique d'essayer de comprendre comment fonctionne la plateforme. Ça c'est chronophage, ça, c'est aussi une part importante du travail quand on produit. Alors non, enfin moi je suis déjà tellement mauvais pour prévoir que heureusement que ça ne me prend pas trop de temps. La seule chose qu'on fait, c'est plutôt analyser l'audience, parce que moi j'étais quand même venu pour ça, donc voir qui nous regarde. Et là, les outils proposés par TikTok, Instagram et Facebook sont très performants. Ils vous disent combien de personnes vous regardent, quel âge ces personnes ont, quel est leur genre. Et donc pour le dire très vite, en gros TikTok, 70% ont moins de 25 ans, Instagram, 70% ont moins de 35 ans, et Facebook, 70% ont plus de 35 ans. Et puis l'autre statistique que je peux dire, je ne sais pas si Julien a la même, qui est catastrophique chez nous en physique. C'est que 85 à 90% de notre audience, c'est des hommes. Et j'ai pensé que c'était parce que j'étais un homme. Et alors j'ai discuté avec Viviane Lalonde, qui est une youtubeuse vulgarisatrice, qui s'est aussi mise sur TikTok et qui a exactement les mêmes chiffres. Donc il y a ce truc, en tous les cas, sur la science pure peut-être, ou sur la physique en tous les cas, qui est une audience extrêmement genrée. Alors, est-ce que Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, vous avez noté ça aussi, la question du genre? La question, alors, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un peu comme les télévisions ou les autres médias, hein. Vous avez, en fonction de la chaîne, vous avez bah, plus de femmes, plus d'hommes. En fonction du média, vous avez des choses qui changent. Et en l'occurrence, sur Instagram, vous êtes plutôt sur un public chez nous qui est féminin. On a 70%, je crois, de femmes. En revanche, sur YouTube et sur TikTok, on est à 50-50, à peu près. La différence est aussi peut-être par rapport au compte de Julien Bobrov, c'est que nous on est très généraliste au niveau science. On parle de santé, on parle de sexualité, on parle de physique, on parle de maths, on parle de géopolitique. Donc on a différents points d'entrée et à chaque fois qu'on publie un contenu, ben, on va capter une audience qui est différente. Donc du coup, c'est plus généraliste. Alors ça peut paraître bien comme ça, mais c'est aussi quelquefois pas bien, puisque les réseaux sociaux sont quand même à la base des zones très communautaires. Donc quand vous êtes entré par un contenu santé, vous êtes abonné à je ne sais pas combien de centaines de comptes,
Votre vie, vous avez plein de choses dans votre vie, et 3-4 semaines après, vous voyez un contenu de curieux qui arrive et qui n'a rien à voir avec la santé, parce que vous êtes entré par là. Et là, on peut avoir du désabonnement. Parce que les gens n'ont pas forcément identifié que curieux, c'était pas que de la santé, c'était autre chose. Donc c'est positif dans le genre, mais en termes de désabonnement, je pense qu'on a plus de désabonnements que Julien Bobroff tout au long de l'année, quoi. Et est-ce que ma question initiale qui était autour de l'algorithme de TikTok, du côté de Curieux, vous avez aussi dans votre équipe des gens qui sont en train d'essayer de l'analyser, de le comprendre, c'est peut-être d'ailleurs vous qui le faites en tant que directeur de publication, est-ce que c'est une problématique pour vous ou vous subissez ça et puis on avance Alors comme déjà, ça? la première chose, je vais rassurer Julien, c'est que par expérience, quand un réseau social marche, l'autre ne marche pas. Hein, c'est-à-dire que tous les mois, c'est pareil, c'est un peu incompréhensible, maintenant on laisse courir. Je peux vous situer un exemple. La fin de l'année dernière, YouTube fonctionnait très très bien, on faisait 20 millions de vues par mois à peu près, et tout d'un coup, au mois de janvier, on est passé à 5 millions. On ne comprenait pas pourquoi. Et à ce moment-là, TikTok cartonnait, remontait, on avait fait 20-25 millions de vues. Le mois d'après, c'était Instagram qui tombait, et TikTok remontait, et YouTube aussi. Donc en fait, c'est une espèce de mécanique naturelle, je dirais. Il n'y a pas forcément quelque chose de logique derrière. C'est juste qu'à certains moments, vous publiez des contenus, ils sont très intéressants, et vous captez plein de monde. Puis peut-être qu'à un moment, vous êtes un peu moins intéressant, parce que vos sujets intéressent moins le grand public, et vous faites moins de vues. Donc nous, maintenant, on est très fataliste un peu par rapport à ça. On sait que, quoi qu'il arrive, on fait à peu près 40 millions de vues par mois. Et ça se compense en fonction des réseaux sociaux du fil du temps, quoi. Voilà. Donc c'est assez logique, en fait. Il n'y a pas de crainte à avoir. Nous, on est habitués. Et en termes d'algorithme, on le comprend, oui. Déjà, je peux dire que TikTok change régulièrement son algorithme. Donc, ce qui peut être normal, les chutes de mois en mois, parce que tous les 2-3 mois, on remarque que les critères qui font qu'une vidéo est poussée sont modifiés. Et donc, certaines vidéos qui auraient fonctionné, par exemple, au mois d'août, en septembre, on fait quasiment la même chose, bah, tout d'un coup, elle va faire 4 fois moins d'audience. Parce que TikTok a joué un petit peu sur l'algorithme et a modifié les critères qui font qu'une vidéo est très belle et qu'elle doit être poussée. Donc l'algorithme, on sait un petit peu, on a un peu des best practices qu'on utilise pour faire des vidéos. Mais on sait aussi que tous les 2-3 mois, on doit un peu se renouveler et essayer de à nouveau comprendre les choses qui vont faire que l'algorithme va apprécier nos contenus et le pousser. Et alors, si je reviens juste avant de passer pour une question pour Yann Christofori, vous avez parlé tout à l'heure, pardon, des bulles de personnes qui rentrent par des thématiques, par exemple l'exemple de la santé. Ça, c'est, je trouve, un point intéressant, puisque curieux est en effet généraliste. C'est toute la richesse de ce contenu-là. Ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'en fait, des personnes qui arrivaient par une bulle thématique ne restaient pas sur le média-là. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu de réussir à les garder et d'aller s'ouvrir à d'autres thématiques? Ces fameuses bulles de connaissances et d'entre-soi, etc. Est-ce qu'il y a une stratégie autour de ça? Comment vous travaillez dans vos équipes? Alors la stratégie, elle est vraiment. Certains médias font du debunk, c'est-à-dire que pour travailler sur la science, essaient de prendre des fake news qui circulent et produire du contenu pour essayer d'expliquer que ce contenu, bah, il est faux ou inapproprié, etc. Notre parti pris, c'était de se dire que généralement, les gens qui suivent des comptes de debunkers sont des gens qui sont plutôt convaincus, généralement. Donc il y a une espèce de gens convaincus qui suivent un débunker, style Julien Pain, etc. On ne voyait pas trop l'intérêt. On laisse faire ça aux professionnels du débunk. Nous, notre stratégie était de se dire, on va occuper le terrain des gens qui ne sont pas extrêmes dans leur position, qui sont un peu nuancés, une espèce d'immense masse au milieu, et qui se posent plein de questions et qui ont envie de s'ouvrir. Et donc on va essayer d'occuper le terrain des réseaux sociaux le plus possible sur tous les sujets possibles que le grand public peut se poser, et de créer un lien de confiance, d'être une sorte de tiers de confiance, de médias qui diffusent une information vérifiée et qui traitent tous les sujets possibles et imaginables, parce que finalement la science, on la retrouve partout, quoi. On peut toujours parler de science, finalement, quel que soit le sujet. Et donc on essaie d'aller chercher ce public-là et de traiter tous les sujets possibles et imaginables dans cette espèce d'univers un peu média où tous les jours il y a des buzz, des informations, des sujets qui font réagir tout le monde et où les gens se posent des questions. Donc je ne sais pas si vous avez répondu bien à votre question, mais l'idée c'est vraiment d'aller d'occuper le terrain, nous c'est vraiment ça, d'être le plus visible possible et de faire comprendre à ces gens qui sont rentrés par des contenus santé que concrètement on est un tiers de confiance, qui peuvent nous suivre et qu'on va traiter tous les sujets possibles imaginables et leur donner des sources fiables pour se faire leur propre opinion.
Je le disais au départ, Curieux, c'est né de quatre centres de sciences. Donc, quand on parle du tiers de confiance, est-ce que les gens qui arrivent sur le média Curieux trouvent cette information-là, c'est-à-dire qui parle, d'où vous parlez, qui est derrière toute cette machine-là? Est-ce que vous êtes visible ou au contraire de le rendre invisible? C'est quoi la stratégie? Alors, la stratégie de départ, c'était de se dire. Alors, c'était avant les gilets jaunes, hein, faut vous remettre un peu dans le contexte. Hein, c'était vraiment. On était dans une autre période. Il y avait vraiment elle est toujours présente, hein, faut pas se mentir aussi, une espèce de défiance vis-à-vis des institutions. Et le projet, il a été lancé par quatre institutions qui travaillent ensemble, mais qui sont différentes, indépendantes. Et donc, quand je suis arrivé pour lancer Curieux, ce que j'ai proposé au directeur des centres, c'était plutôt de créer une marque ombrelle qui cache en fait les institutions pour pas qu'elles soient visibles et que justement on puisse parler à des gens qui sont en défiance et qui estiment que dès l'instant qu'une parole est officielle ou provient d'une institution, elle est forcément fausse. Que c'est un peu ça hein, quand même. Et aussi, bah, tout simplement parce que comme on a quatre entités différentes, il fallait trouver un nom un peu sympa pour tout le monde parce qu'on pouvait pas dire. Le média Cap Science, Espace Mondes France, machin, c'était un bitap, quoi. Donc il fallait trouver une marque un peu pour tout le monde. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Curieux. Alors c'est super, ça marche super bien. Au grand désespoir des directeurs des centres qui sont très fiers de Curieux. Mais il y a plein de gens qui n'ont toujours pas compris que Curieux, c'était les quatre centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine, du coup. Donc notre travail maintenant, c'est d'essayer, 4 ans après, de faire savoir que Curieux, c'est Cap Science Bordeaux, l'Espace Mondes France Poitiers, Récréation Limoges et la Codicée, Mourenx Pau. Voilà. Julien Bobroff, juste une petite question là-dessus sur le tiers de confiance. De votre position, vous êtes physicien. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre public, cet apport de la science et d'avoir une confiance dans le scientifique et que c'est la parole de Julien Bobroff, donc ce qui va être dit va être la vérité? Ouais, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais oui, non, quand même, il y a clairement une question de statut et d'où on parle. Hein. Alors, il faut quand même être modeste là-dessus, parce que quand on a joué avec TikTok, on sait qu'on a un jeu de balayer comme ça la vidéo, hein, d'un point de vue purement technique, et où on ne voit pas du tout un texte qui dit qui est l'orateur, à l'inverse de YouTube, par exemple. On voit juste le logo et le nom. Donc, moi, on voit écrit Julien Bobroff, mais on ne voit pas écrit professeur à l'université Paris-Saclay, physicien, blablabla, blablabla. Donc, moi, je serais assez modeste sur ce statut d'autorité, où petit à petit, je pense que les gens ont pigé d'où je parlais et quelles étaient mes compétences. Moi, ce n'est pas du tout généraliste, à l'inverse évidemment de ce qui se fait chez Curieux. Moi, je suis tout seul et j'y passe 2 heures par semaine, hein, à peu près. Donc, c'est mon sujet à moi sur lequel je suis à peu près compétent. Et on voit vite les choses se dessiner dans les commentaires. C'est-à-dire, quand commence à y avoir des discussions et que certaines personnes vont peut-être remettre en cause certains des propos que j'ai eus, très vite, ça se bagarre dans le lieu. Mais qu'est-ce que tu dis? Il est professeur, il sait ce dont il parle et tout. Et il y a la communauté qui, en gros, refait valoir cette espèce de statut qui dit que je sais à peu près ce dont je parle. Donc j'ai l'impression que ça se joue comme ça. Mais je ne voudrais pas surestimer ce statut d'autorité parce que, à nouveau, dans l'interface elle-même, il n'apparaît pas du tout. Est-ce que vous intervenez dans les commentaires des vidéos? Ouais. J'interviens pas mal au tout début. C'est-à-dire les premières questions qui arrivent sont souvent des questions scientifiques ou d'incompréhension ou de complément. Et j'essaye de répondre. Donc pendant les 2 premières heures, en gros, après avoir posté la vidéo, peut-être la première journée, j'essaye de répondre à quelques commentaires, mais en étant assez factuel et assez court. Et par contre, toutes les demandes de messages personnels et toutes les questions qui vont déborder le champ de la vidéo, et il y en a beaucoup, je réponds absolument pas parce que c'est impossible. Hein. Je veux dire, il y a 200, 300 questions ou commentaires par vidéo. J'en fais une tous les 2 jours, donc c'est pas mon métier, quoi. Bien sûr. Irène Christofori, on a parlé des formats de TikTok, donc de ces fameuses vidéos courtes, même si le format a un peu évolué dernièrement. Qu'est-ce que ça entraîne pour le cerveau, cette succession de vidéos courtes quand on est un adolescent ou même un jeune adulte en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on regarde TikTok? Oui, donc lorsqu'on parle d'un cerveau d'un adolescent, donc il faut garder en tête que c'est un cerveau en évolution. Donc notre cerveau termine à temps maturation à 25 ans. Donc la dernière partie du cerveau qui se développe, c'est notre cortex préfrontal, donc celui au front. Et c'est une partie qui permet de gérer, de nous contrôler, d'avoir du contrôle sur nos actions, sur nos émotions, de nous figer des objectifs, etc. Donc lorsque des adolescents regardent des on va dire TikTok là, parce qu'on parle de TikTok, mais ça pourrait être tout autre type d'écran. La difficulté, c'est cette régulation, en fait, qui manque. Donc, qui manque, et le fait que, en fait, TikTok, comme d'autres plateformes, engage un format qui n'a pas vraiment de fin.
Donc, on n'a pas les mots fin, on n'a pas une dernière page, on n'a pas une dernière, on n'a pas une limite. Donc, sur un cerveau en développement, dans lequel on sait qu'il y a cette partie du cortex préfrontal qui mature tardivement, l'effet d'avoir pas des limites pourrait entraîner l'effet de pas arriver à se limiter. Donc, du coup, de pouvoir garder en continuité et continuer à regarder des vidéos pour des temps très longs. Donc, on sait bien, les données montrent que, par exemple, souvent, les adolescents, mais nous, les adultes aussi, on sous-estime les temps qu'on passe dans ces réseaux. Donc, on perd un peu la cognition du temps qui passe. Donc, effectivement, ça, c'est les problématiques un peu principales. Un autre aspect important, c'est que ces mêmes systèmes du cortex préfrontal aussi régulent la récompense. Donc, un système qui va chercher nos désirs, ce qui nous fait plaisir. Donc, effectivement, avoir un format court et... Imaginez-vous, là, j'imagine ces cours de physique, effectivement, ça pourrait être beaucoup plus attractif pour les étudiants que regarder un cours de physique qui dure 2 heures. Parce qu'un cours de 2 heures implique l'effet qu'on doit avoir une attention soutenue sur les temps et on sait qu'on a des capacités limitées au niveau cognitif. Donc, effectivement, l'effet d'échanger tout le temps peut d'une certaine façon engager l'attention et garder cette attention soutenue pour longtemps. Est-ce que ça veut dire que le fait de regarder des vidéos courtes et d'enchaîner ces vidéos courtes, ça dégrade notre capacité d'avoir une attention plus longue quand notre cerveau est en train de se finaliser, se terminer de se construire, si je comprends bien? C'est ça, exactement. Et donc la solution, ou en tout cas les recommandations, serait de limiter le temps, de forcer cette limite de temps. Comment on peut avancer? Je pense que ça serait bien de pouvoir limiter le temps, d'avoir. Je sais que TikTok il est fait. Il y a maintenant des options qui indiquent après une heure, je crois. Je pense que où il faut agir, c'est vraiment une éducation, une hygiène, l'usage des écrans, un peu comme une hygiène, éducation sexuelle, etc. Donc, il faudrait vraiment former et rendre les élèves, les étudiants, les jeunes conscients de ce qui peuvent être les risques d'un abus de ce type de réseaux, en fait. Pas simplement pour ce qui se passe lorsqu'on est sur ces réseaux, parce que, effectivement, si on peut apprendre la physique, si on peut attirer les jeunes à mieux comprendre certains aspects, certaines connaissances, c'est super. Mais si on y passe trop de temps, c'est que notre cerveau ne fait pas, en fait. Donc, c'est ça la problématique principale, passer des temps. Ouais. Trop long. La probabilité des écrans et du temps passé par les adolescents sur les écrans, ce n'est pas révélé sur TikTok, hein, bien évidemment, elle est présente depuis pas mal de temps et depuis l'arrivée globalement des smartphones. Donc, quand on est parent, éducateur, qu'on accompagne des enfants dans leur développement, c'est un sujet et c'est un sujet qui peut être très compliqué en soirée avec des adolescents à la maison, c'est évident. Et à la fois, c'est une opportunité. C'est une opportunité de s'ouvrir sur le monde, on le voit avec la création qu'on peut nous présenter. On va faire une petite pause et on va regarder une vidéo. La première, ça va être une création de Julien Bobroff. Et Julien, je vous proposerai de la commenter juste après. Donc, j'ai demandé à Enzo s'il peut nous lancer cette première vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour, voici un des objets les plus incroyables que j'ai jamais vu. Cet objet, vous voyez, c'est une petite boîte en verre, toute bête, hein, avec 4 parois, dans laquelle, en fait, des physiciens piègent des atomes avec des rayons laser. Et pour faire ça, leur problème, c'est qu'il faut surtout pas qu'il y ait de colle. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on assemble 4 bouts de verre sans colle? Eh bien, la réponse est hallucinante. C'est par contact optique. Ce que font les physiciens, tenez-vous bien, c'est qu'ils vont nettoyer chacun des bouts de verre parfaitement, au nanomètre près, en enlevant toutes les contaminations sous salle blanche. Et les surfaces sont tellement propres qu'à la fin, ils prennent 2 plaques, ils les mettent l'une en face de l'autre et elles se réassemblent. Quand on casse un objet en 2 et qu'on essaie de le remettre ensemble, ça marche pas. Et la raison à ça, c'est qu'on n'est pas capable de remettre les surfaces suffisamment bien propres l'une face à l'autre. Il y a toujours des petits grains, des petites granulosités qui font que ça recolle pas. Eh bien là, non.
Les quatre bouts de verre que vous voyez tiennent sans colle juste parce qu'ils sont bien mis l'un en face de l'autre et c'est devenu indestructible comme si c'était un seul bout de verre. La matière a été reconstruite. Ça s'appelle l'adhésion moléculaire et c'est ce qui fait de cette boîte un objet absolument incroyable. Bonne journée! Alors Julien, cette vidéo, est-ce qu'elle a cartonné ou pas? Ouais, ça c'est une de celles surprenantes qui a bien marché. Hein. Je crois que si on regarde sur les trois réseaux à la fois, on est sur des millions de vues. Et c'est incompréhensible pour moi parce que le contact optique, c'est quand même pas le truc le plus fun au monde. Et puis vous avez vu la pauvreté de la vidéo, quoi. Quand on regarde, là j'ai même honte, là je vois mon pull, le fond, le truc, les cernes, c'était le matin, je me souviens. Bon, ça travaille aussi mon mode de fonctionnement à moi, c'est-à-dire que là, si on parle de choses peut-être plus professionnelles, et je pense que c'est important aussi pour le public qui nous entend, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de se lancer dans TikTok? Alors, peut-être qu'avec Julien, on vous a peint une image où on n'y comprend rien, c'est incertain, il y a des jeux de vase communicants. L'autre bon côté des choses, c'est qu'en faisant une vidéo vraiment trash, à l'arrache comme ça, si on a un bon sujet, eh ben, on peut faire des millions de vues alors que 2 mois avant, on n'existait pas sur TikTok. Donc ça, c'est quand même une opportunité que moi, j'avais jamais eue ailleurs en termes de volume d'audience. L'autre truc qu'on voit peut-être dans la vidéo, mais je suis en train de m'analyser moi-même, hein, c'est affreux, mais c'est quand même à quel point c'est fait n'importe comment. C'est-à-dire que c'est moi en selfie avec mon iPhone, je ne pense pas que j'ai de micro là-dessus. Je suis là avec une pauvre boîte que je fais, c'est un seul plan séquence, j'ai dû faire 2-3 coupures dedans. Moi, j'enregistre ça en un plan, il n'y a pas de script, il n'y a rien, je parle comme ça en direct. Je réenlève 2-3 bouts pour que ça colle à peu près en 1 minute 30, hein, parce que je veux que ça aille aussi sur Instagram, donc c'est la durée max, et c'est tout. Donc, c'est assez sympa. C'est moi, c'est aussi ce qui fait qu'on s'est lancé sur TikTok, c'est qu'on se dit, il n'y a pas une marge d'entrée par rapport à YouTube, par exemple, où les vidéos maintenant sont vraiment qualitatives, avec vraiment des studios professionnels. Hein, on est à la télé quasiment. Et là, sur TikTok, on peut vraiment, c'est dans les codes acceptés pour l'instant sur les plateformes, être dans un truc qui n'est pas soigné. Et où j'ai rajouté 2-3 petits gifs n'importe comment qu'on peut rajouter sur l'application elle-même en 2 temps 3 mouvements. Donc, la production d'une vidéo comme ça, moi, ça me prend du tout début jusqu'à la toute fin, à peu près 20-25 minutes maximum. Donc c'est le bon côté de TikTok, c'est que c'est ça qui me permet moi d'en faire une toutes les 2 jours. À nouveau, ce n'est pas mon métier. C'est que j'y passe à peu près 2 heures par semaine et qu'avec ça, j'arrive à faire mes 3-4 vidéos par semaine assez facilement, du moment bien sûr qu'on a le contenu. Hein. C'est parce que moi, j'ai le contenu avant, parce que c'est des trucs que je connais déjà. Alors je trouve que vous êtes dur quand même sur la qualité de la vidéo, mais bon, on a le droit d'être critique, bien évidemment. Moi, je trouve au contraire qu'elle fonctionne extrêmement bien. Il y a aussi ce que vous dites pas, Julien, c'est le talent oral, c'est-à-dire que cette capacité aussi à parler, vous l'avez dit, sans forcément travailler le texte avant, à peu près vous savez ce que vous allez dire. Là, on parle du contact optique, qui est un truc absolument fascinant. Là, je suis pas d'accord non plus, je trouve que c'est absolument fascinant de montrer l'objet. Il y a un cadre aussi qui est choisi, qui est modeste, et c'est peut-être ça aussi qui fait l'attrait de la vidéo. C'est ce côté non fabriqué et avec une grosse armada. Et on peut le retrouver aussi du côté de curieux sur des choix de présentation graphique avec des gifs qui peuvent aussi avoir un côté un peu kitsch par moment, mais qui donnent une patte. Ça, c'est un choix que vous avez, fait, Julien, pardon, ou alors si vous l'avez fait parce que c'est plus rapide, plus efficace et qu'on n'a pas non plus 500 000 heures à consacrer à ça. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on a choisi ce format parce qu'il était plus rapide, plus efficace. On a discuté avec l'équipe, moi je travaillais avec des designers. Donc ce qu'on a fait avant, c'est on a fait nos devoirs, on a tous regardé TikTok pendant quelques semaines pour comprendre. Et on s'est rendu compte que l'enjeu technique, il n'était pas si important du moment que le son était bon et qu'on se voyait bien. Et donc on s'est dit, voilà, il faut un mode de production ultra rapide, ultra simple et qui nous permet vraiment de tester plein de trucs sans se prendre la tête. Et donc on a fait ce choix-là, c'est-à-dire pas de script, pas de trucs trop pensés à l'avance et on produit. On monte sur le logiciel lui-même, maintenant on monte sur CapCut parce que ça se fait très vite, que c'est fait pour. Donc on essaie de rajouter le moins de lourdeur possible. On s'était posé quelques questions sur le langage, mais ça a été très vite spontané. C'est-à-dire au début je dis bonjour, personne ne dit bonjour au début d'une vidéo TikTok, ça n'a pas de sens parce que normalement on est tout de suite balayé. Mais c'est vrai que je l'ai gardé depuis, donc maintenant certaines personnes se plaignent, mais voilà, je continue à avoir mon bonjour et bonne journée à la fin. Donc c'est un mélange de spontanéité, d'avoir une sorte de parler vrai, voilà, ils sont vraiment face à un physicien qui leur parle, et quand même d'un truc où on s'est posé quelques questions techniques pour que ça soit pas n'importe comment. Le fond blanc, c'est une raison très très pratique, c'est que je veux pouvoir les faire aussi bien au boulot que chez moi, donc il me faut juste un fond blanc. La caméra, c'est mon téléphone parce que je l'ai toujours avec moi, et c'est à peu près tout. Ce qu'on a rajouté depuis, parce que ça c'était parmi les premières vidéos peut-être, c'est parfois je porte un micro pour avoir un son un peu plus nickel. Et l'autre truc qu'on a rajouté, c'est les sous-titres, parce que plein de gens veulent les sous-titres. Et alors là, sur CapCut, on clique sous-titres automatiques et c'est stupéfiant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de correction à faire et tous les sous-titres sont là en français absolument nickel, bien placés. Il faut juste les relire rapidement, mais il n'y a quasiment pas de faute. Et c'est ce qu'on a pu rajouter depuis le début. Mais si on regarde la vidéo de moi de ce matin ou hier, ça doit être à peu près le même niveau technique, qui est quand même pas terrible. Donc il n'y a pas de gros investissements financiers dans la partie technique, caméra, micro, etc. On est sur des choses qui sont...
Alors, c'est mon iPhone, le logiciel gratuit fourni par l'application qui s'appelle CapCut, qui est le plus utilisé maintenant dans le monde. De bout en bout, la chaîne de production elle-même, c'est vraiment 20 minutes, quoi. Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, est-ce que vous êtes à peu près sur les mêmes modes de fabrication ou on est sur quelque chose d'un peu plus industrialisé chez vous? Alors, je voulais dire, on essaie d'être généraliste et donc on traite vraiment beaucoup de sujets. Donc, on fait différents formats vidéo. Il y a des vidéos en motion design. Donc, là, c'est fait par des vidéastes qui ont des compétences de montage. Et là, c'est pas 10 minutes, c'est un peu plus de temps. C'est monté sur Premiere, sur Final Cut, etc. On fait aussi des vidéos un peu à l'arrache avec mon téléphone. J'en fais moi aussi maintenant. Je me mets devant l'écran dans les expositions pour mettre en avant un peu les événements qui ont lieu dans les centres de sciences. Et on fait également aussi des mini-reportages où on va dans des musées. Ou des institutions, par exemple, on était en tournage à l'aquarium de La Rochelle la semaine dernière. Donc on a fait des vidéos avec les médiateurs de l'aquarium de La Rochelle, où là, c'est les médiateurs qui parlent sur la vidéo. Et on les enregistre, en fait, on a travaillé les scripts avec eux et on fait des vidéos. Donc on a plein de styles de différentes vidéos. Les vidéos, alors je rejoins Julien, moi les vidéos que je fais moi dans les expos, c'est 10 minutes, grand max. Je me contente de faire un résumé de ce qui est marqué sur le cartel de certains modules. Ensuite, les vidéos en motion design, alors là, ça dépend du sujet, parce que des fois, on fait des sujets qui sont quand même assez costauds, et du coup, rien que d'écrire le script, ça prend plusieurs heures, et le montage derrière, plusieurs heures également, donc il y a des vidéos, des fois, c'est 2-3 jours. Et sinon, les vidéos avec les médiateurs, comme à l'Aquarium de La Rochelle, bah, en fait, il y a une visio avant où on écrit le script avec le médiateur. Et ensuite, quand on arrive sur place, on fait juste le tournage, un peu comme une équipe de télévision. Et le montage après a fait derrière. Mais là, je crois qu'on a fait 8 vidéos à l'Aquarium de La Rochelle. Deux caméramens sont allés sur place. Elles ont tourné pendant 3-4 heures. Et là, elles vont monter pendant 2-3 jours. Et après, c'est envoyé partout, sur tous nos réseaux. Peut-être on n'a pas parlé de ça, j'inverse un petit peu, mais vous êtes organisé comment à Curieux en termes de ressources humaines? Vous êtes combien à travailler sur le média? Et peut-être faire une petite aparté sur la partie réseaux sociaux de TikTok. En tout, Curieux, c'est pas que TikTok, il faut bien que les gens comprennent ça, c'est beaucoup d'autres choses. Vous êtes combien? Comment ça marche? Alors, on a 9 personnes à temps plein qui travaillent sur Curieux. Donc, on a bah, moi, un red chef, deux community managers, un social media manager, un chargé de production, deux vidéastes en interne, et je crois que j'ai oublié personne. Ensuite, le reste, on a 7 pigistes journalistes qui écrivent des articles parce qu'on ne fait pas que des vidéos, on fait des BD, on fait des articles, on fait des podcasts, on fait aussi des lives quelquefois. On a aussi après une galaxie de freelance vidéo, vidéastes qui font du motion design ou aussi on a un vidéaste avec qui on bosse qui s'appelle Yvan, qui est aventurier, zoologiste et qui fait le tour du monde et qui fait des vidéos dans la jungle. Là, il était en Indonésie, faire des vidéos. Et on a également une dizaine de freelance illustrateurs, illustratrices qui bah, réalisent les petites BD qu'on fait pour Instagram avec des vignettes. En termes d'audience, on a donc plus de 2 millions maintenant sur TikTok. On a 320 000 abonnés sur YouTube. On a 274 000 abonnés sur Instagram. Et on a 60 000 sur Facebook. Ça, c'est les plus gros comptes que l'on a. Et après, il y a Twitter, LinkedIn, Snapchat, Dailymotion, et les podcasts qui sont plus faibles, quelques milliers. Et tout ça fait 2 700 000 abonnés au total. Alors peut-être que je change un peu le conducteur pour Enzo, je suis désolé, mais c'est peut-être le moment où on pourrait regarder une vidéo de Curieux, ce qui nous permettra de faire une petite pause et ensuite d'enchaîner sur des questions un peu plus techniques, si c'est OK pour Enzo, quand tu veux pour la vidéo. Merci. Il est impossible de voir un atome. Alors comment on sait que ça existe? Revenons au 19e siècle, lorsque Robert Brown observait un grain de pollen au microscope. À l'intérieur de ces grains, il voit des petites particules qui bougent au hasard dans tous les sens. Il se demande alors pourquoi? Y a pas de raison. Il faudra attendre environ 50 ans pour qu'Einstein comprenne que les particules bougent car elles entrent en collision avec les molécules d'eau autour d'elles. Et donc les molécules et les atomes existent bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nos jours, en biologie et en nanosciences, on étudie des objets encore plus petits et confinés par des parois.
se pose alors la question de l'effet des frontières sur ce mouvement qu'on appelle brownien. Par exemple, un virus qui attaque sa cible peut être plus ou moins ralenti par la présence de frontières. Les protéines qui dédoublent notre ADN pourraient sentir la présence de membranes cellulaires voisines. Et une nouvelle question fondamentale se pose. Si une frontière est déformable ou complexe, est-ce que le mouvement brownien sera différent? C'est la question à laquelle Thomas Salez, avec ses collègues Yacine Amarouchen, David Dean et l'équipe Emmett Brown, tentent actuellement de répondre via des simulations, une étude théorique et mathématique et des expériences. Pour ce faire, ils ont obtenu un financement européen ERC. Ça prendra plusieurs années, mais s'ils y arrivent, notre compréhension de la physique et du vivant deviendra plus précise et on pourrait détecter des maladies in situ, développer de nouvelles méthodes pour manipuler et transporter les petits objets ou encore mesurer les propriétés de matériaux sans les toucher, juste en observant le mouvement brownien. Voilà un exemple de création chez Curieux. Peut-être Julien, un commentaire sur cette vidéo. Est-ce que celle-ci elle demande un peu plus de montage vidéo? On le voit bien. Alors là, c'est dans un cas très particulier. Alors, le modèle économique de Curieux, on peut en parler, hein, c'est pas secret. On a une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour compléter notre budget, on fait des prestations. Puisqu'on a une grosse audience et un savoir-faire pour vulgariser. Et notamment, on travaille avec des grandes marques pour faire de la vulgarisation technique, comme Orange, par exemple, ou la Ligue contre le cancer, enfin plein de choses comme ça. Et on travaille aussi notamment de plus en plus avec des chercheurs, puisqu'il y a une obligation de vulgariser leurs projets de recherche ou leurs résultats de recherche. Et là, en l'occurrence, cette vidéo, elle est faite dans le cadre du mois de l'Europe, avec une équipe de chercheurs du CNRS Aquitaine, qui communique sur un projet de recherche qui débute. Et donc, c'est dans ce cadre-là, on a fait la vidéo avec eux pour vulgariser ce projet. Et donc, la vidéo, elle a fait, je crois, 90 000 vues sur TikTok, 50 000 sur Insta, et elle doit être à 30 ou 40 000 sur YouTube. Et donc, bon, c'est des chiffres qui sont... les chercheurs, ils sont évidemment ravis parce qu'ils n'ont jamais eu une audience comme ça pour vulgariser leur projet de recherche. C'est l'équipe de Thomas Salez, peut-être que quelqu'un les connaît. Et donc, du coup, on fait ça maintenant de plus en plus avec le CNRS, l'INRAE, l'INSERM, enfin voilà, toutes des grandes institutions qui ont des difficultés à parler à une audience... jeune, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est en termes de contenu, enfin de la production du contenu, là, on est quand même sur 3-4 jours de travail, parce qu'il y a la visio avec le chercheur pour qu'il nous explique et qu'il nous fasse comprendre son projet, ce qui n'est pas simple hein, quand on n'y connaît rien. Et donc, du coup, il nous explique le projet, on fait une proposition de script, on échange sur le script, une fois que le script est validé, on monte une première vidéo, on lui envoie, il regarde les visuels, il nous dit bah là ça me va pas parce que ça colle pas avec ce que je fais, etc. Et une fois que c'est validé, après on passe à la diffusion. Et ces vidéos sont même utilisées généralement par les chercheurs dans le cadre de colloques pour les diffuser et montrer en fait à d'autres chercheurs le travail de vulgarisation qui est fait. On voit que vous faites aussi appel à des banques d'images, hein. J'imagine que vous tournez pas tout, j'en ai vu des extraits vidéo qui sont, vous avez des abonnements, c'est ça, pour pouvoir ajouter du contenu visuel? Alors souvent, les chercheurs nous amènent des contenus propres à eux déjà, quand c'est des sujets un peu particuliers. Mais sinon, on a un abonnement à Adobe Stock, un abonnement à Envato, des grandes bases d'images. Et puis aussi, il y a pas mal quand même de bases gratuites d'images. Quand on parle d'astronomie notamment, la NASA, tout ça, etc., ils mettent plein de contenus en libre droit. Et donc du coup, on peut les réutiliser quand c'est dans ce domaine-là. Et donc on s'en sort à peu près comme ça. Pour des vidéos en motion design. Alors on va revenir en fait sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure parce qu'on a des questions là sur le chat autour de la question du genre qui forcément est un sujet quand même majeur. Je ne vais pas refaire l'historique, mais on a un vrai sujet filles et sciences, femmes et sciences, avec la volonté d'avoir de plus en plus de jeunes filles qui choisissent des carrières scientifiques, et la réforme, dernière réforme du bac ne nous a pas aidé dans ce sens-là. Les propos que vous avez pu tenir tout à l'heure, pardon Julien, jongler sur le tuez-vous, c'est très compliqué. Par rapport à voilà, peut-être une représentation des filles assez faible sur ton TikTok. Donc il y a une première question qui vient d'Antonin. Est-ce que ce serait l'algorithme, alors ça s'adresse aux deux Julien, est-ce que ce serait l'algorithme qui oriente malheureusement peu les femmes sur du contenu scientifique? Est-ce que vous savez répondre à ça? Normalement, si vous faites un test assez simple sur TikTok, c'est que si vous vous amusez à regarder des vidéos de serpents, vous allez après voir des vidéos de serpents pendant pas mal de temps. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui, sur TikTok, ne regardent absolument pas des contenus en lien avec la science ou avec la culture. Et donc, du coup, l'algorithme, lui, son intérêt, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme pour qu'on puisse vous proposer le maximum de publicité. C'est un peu ça, hein, le but de TikTok, c'est de gagner leur vie avec la publicité. Et donc, si certaines personnes ne regardent jamais un contenu culturel, l'algorithme ne va jamais leur proposer de contenu culturel.
Donc c'est des gens qui ne verront jamais de contenu de culture scientifique. En tout cas, c'est ça que mon analyse. Mais si certaines personnes regardent un petit peu de culture, à un moment ou à un autre, vous voyez passer des contenus de Julien Bobrov, de Curieux ou d'autres médias ou d'autres vulgarisateurs qui font du contenu comme les nôtres. Alors, on a une question aussi de Cyril. En termes de propositions, n'y a-t-il pas des propositions différentes suivant le genre? Est-ce que vous posez ces questions-là dans vos Je ne sais pas créations? si Julien Bobrov veut répondre, peut-être, parce que c'est. Je ne sais Allez-y, pas. allez-y, allez-y, je prendrai le relais après. D'accord. Pour être honnête, j'en sais strictement rien, parce que TikTok ne communique pas sur son algorithme. Donc, tout ce que l'on dit sur l'algorithme, c'est vraiment des suppositions et du ressenti. Il n'y a rien de technique et autre derrière, il n'y a aucune donnée, aucune source. Donc, je suis incapable de répondre et de vous dire s'il y a quelque chose par rapport au genre sur la proposition. Je ne sais pas. Julien? J'avais l'impression que la question, c'était aussi est-ce que nous-mêmes, dans nos propositions de contenu, on pourrait faire quelque chose qui peut-être capte un peu plus une audience qu'une autre et rééquilibre un petit peu ce déséquilibre monstrueux. Nous, on s'est posé les questions quand même dans l'équipe. On n'a pas trouvé de bonne réponse, parce qu'à la fin, c'est quand même mes histoires de physique et moi face caméra. Mais je trouve que c'est un vrai souci. Il y a quand même une sous-représentation, en tous les cas en physique, des femmes en médiateurs ou en personnes prenant la parole. Mais parce que ça pose aussi plein de difficultés, de questions pas simples à gérer pour les femmes, plus que pour les hommes, moi je trouve, sur les réseaux sociaux, parce qu'elles s'en prennent plus dans la tronche, hein, pour le dire quand même clairement. Après, c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que TikTok, c'est les bulles à l'extrême, c'est-à-dire on est dans sa bulle et on y reste, quoi, et on nous y coince et on nous donne ce qu'on a envie, quoi. Moi je regarde TikTok, ce qu'il me propose maintenant, c'est une catastrophe. Et moi, je suis victime de ma propre bulle. Donc, la poule et l'œuf, au sens où, est-ce que c'est parce que, ben voilà, les femmes regardent un peu moins de physique que d'autres sujets, que TikTok va surjouer cet effet-là? En tous les cas, tous les effets sont amplifiés par l'algorithme monstrueusement. Et donc, ça, c'est vraiment pas réjouissant. Et pour moi, c'est un échec personnel, hein, très fort. Et c'est pas que TikTok, c'est exactement la même chose et les mêmes chiffres pour moi sur Instagram et à peu près les mêmes sur Facebook. Et à nouveau, Viviane m'a dit qu'elle a les mêmes chiffres, elle aussi. Alors, elle dit que sur Instagram, c'est légèrement plus féminin, mais c'est quand même extrêmement majoritairement masculin. Et elle est sur des sujets aussi de physique, d'ingénierie et technique aussi. Irène Christofori, est-ce que l'on a des différences sur les impacts sur le cerveau en fonction de son genre? On a aucune donnée sur ça. Il y a des premières données qui montrent effectivement que visualiser du contenu sur TikTok, du contenu qui est approprié à la personne, donc du contenu généré par l'algorithme, donc active des régions clés du circuit de la récompense, donc ces régions qui vont nous faire chercher à nouveau ces produits parce que ça nous fait plaisir. Mais les études sont encore trop préliminaires pour pouvoir parler des différences des genres. Après, donc, en termes d'usage, donc les études scientifiques n'ont pas vraiment, donc sont pas focalisées sur des aspects des genres dans le sens que on peut dire il y a une même utilisation du réseau, il y a peut-être un sujet qui intéresse actuellement les chercheurs, c'est l'effet, surtout comment notamment ces réseaux sont utilisés pendant l'adolescence, l'effet que notre cerveau se développe de façon différente pendant l'adolescence. Donc l'adolescence est plus précoce chez les femmes. Donc on est en train de voilà, voir un peu comment sensibiliser de façon différente la question du genre. Mais il y a pas vraiment des évidences scientifiques qui montrent qu'il y a des différences liées à ces sujets. Est-ce que sur la question qu'évoquait Julien tout à l'heure, enfin les deux Juliens, sur la notion des bulles, c'est-à-dire que vous êtes sur un réseau ou un algorithme, à partir du moment où vous restez quelques secondes sur une thématique, il évoquait le cas des serpents, mais ça peut être le cas des baleines, par exemple. Si je reste 3-4 secondes sur des baleines, la vidéo d'après, j'ai des baleines qui vont arriver, puis on va enchaîner. Comment, quand on est un adolescent et que son cerveau est en train de se construire, est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe à l'intérieur du cerveau? C'est quoi? Vous parlez des récompenses, par exemple, est-ce que ça va générer ça? C'est quoi le mécanisme, en fait, de construction. Oui, effectivement. Donc,
Soi-disant, vous êtes intéressé par les baleines, si on prend cet exemple. Et donc, du coup, vous voyez cette vidéo de la baleine et vous avez dans votre cerveau un petit circuit qui s'active, donc s'appelle le circuit de la récompense, et qui implique des régions très profondes du cerveau et des régions qui, en fait, vont vous demander de plus en plus ce type de récompenses. Les formats courts donnent l'avantage d'en vouloir plus en plus. La petite quantité entraîne ces mécanismes d'en vouloir de plus en plus. Vous imaginez, vous adorez les pizzas. Je vous donne une pizza et vous la mangez. Je vous donne 100 pizzas, vous ne la mangez pas avec le même goût. Okay? Donc, la petite quantité, peut-être les petits apports, fait que les systèmes restent actifs tout le temps et de façon constante. Donc, et encore une fois, donc surtout chez l'adolescent, dans lequel on a ce système préfrontal, donc cognitif supérieur, qui n'est pas encore tout à fait développé, pourrait empêcher effectivement un contrôle sur ce type de mécanismes. Et soi-disant, l'enfant, l'adolescent pourrait avoir du mal à dire stop, je veux passer à autre chose, je passe pas 3 heures sur ces contenus et je vais faire autre chose. Donc, voilà. Est-ce que c'est le même mécanisme, alors pardon, je sors un peu de TikTok, mais qu'on peut retrouver chez les adultes qui sont dans des biais cognitifs, dans des bulles d'interaction bien précises? Je pense à des réseaux comme Facebook où on va, pareil, suivre un groupe bien particulier, on a du mal à sortir. Est-ce que c'est le même mécanisme du cerveau ou c'est différent par rapport au développement adolescent? C'est les mêmes mécanismes. Je dirais que même les contenus de Facebook peuvent produire sur des adultes les mêmes systèmes. Donc, On est vraiment dans la récompense des bonbons, en fait. On a des bonbons qui nous sont donnés exactement, et plus on on en a des met de petites petites quantités, quantités. on va en chercher toujours plus pour garder ces niveaux de satisfaction élevés dans les cerveaux. Donc, voilà. Ça ne serait pas la même chose si on regardait une vidéo pendant 2 heures. On ne chercherait pas de la même façon cette récompense. On s'ennuierait plutôt. Est-ce que, ben, c'est parfait, vous me tordez la perche pour la suite, Julien et Julien. Là, on est sur un format bien particulier, des formats courts. Julien Maubras, vous avez fait d'autres types de formats qui ne sont pas du tout du même style, qui peuvent être beaucoup plus longs. Je sais que Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, vous êtes aussi sur cette volonté-là d'imaginer d'autres types de formats. Vous parliez des podcasts tout à l'heure. Est-ce que c'est une porte d'entrée TikTok pour se dire potentiellement on pourrait les amener sur d'autres types de formats ou pas spécialement, c'est juste une bulle de plaisir aussi de création. Comment vous voyez les choses? Alors, moi, en tous les cas, je me permets de prendre la parole. J'ai vu deux passerelles évidentes, dans les deux sens, en fait, assez marrantes. La première, c'est que bon, moi, je fais beaucoup de conférences grand public, et là, c'est le truc austère, hein. Les gens, ils viennent et ils se tapent 1 heure de physique quantique assis dans une salle face à moi, pas de distraction, pas de smartphone, rien du tout. Et depuis mon arrivée sur TikTok, Instagram, etc., le public change. Maintenant, j'ai un public plus jeune, enfin, j'ai un public, j'ai une dichotomie, c'est-à-dire que j'ai mon ancien public, c'est-à-dire en gros des vieux, hein. Des gens comme moi, ou plus vieux. Et j'ai un nouveau public qui parfois fait juste un cinquième de la salle, parfois la moitié de la salle, et qui est clairement du moins de 25 ans, et qui est venu parce qu'il m'a connu par les réseaux. Donc ça, moi, je trouve ça très encourageant. Parce que là, ils sortent clairement de la bulle informatique pour soudain arriver dans un truc très intimidant pour eux, hein, une conférence grand public dans des lieux un peu intimidants, hein, comme je sais pas, je pense au Musée des Arts et Métiers, par exemple, où j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps, et ben, ils franchissent le pas. Donc ça, moi, je trouve ça super et très encourageant. Et alors, dans l'autre sens, de façon très inattendue, quand je suis arrivé sur TikTok, le premier truc que j'ai fait de façon complètement égotiste, c'est taper mon nom, alors que je n'avais pas encore de compte. Et en fait, j'existais déjà sur TikTok parce que les gens avaient pris mes conférences sur YouTube, qui, par exemple, les conférences de l'Espace des sciences de Rennes ou de Caen, qui font 1 heure, 1 heure et demie, les avaient découpées en petits bouts et les avaient mis, et ça faisait des cartons. Et donc, c'était partie 1, partie 2, partie 3. Donc, les gens se refaisaient la conférence YouTube avec 7 ou 8 parties de suite, et ça fait des millions de vues, hein, c'était délirant. Et donc finalement, cette caricature du bah, sur TikTok, on va ramener qu'un truc qui dure 20 secondes, 30 secondes, et qui est vrai, hein, évidemment, il y a quand même des passerelles inattendues qui est que les gens ne pensaient pas aller sur YouTube pour voir la conférence en bloc, ils restaient dans leur bulle TikTok parce que c'est bien fait par TikTok pour qu'on n'en sorte jamais, mais sur TikTok, eh ben, ils se re-regardaient des conférences de 1 heure de physique quantique.
Donc il y a des choses parfois paradoxales qui fait qu'il faut peut-être parfois pas aller que dans les idées reçues. Et moi, le fait de retrouver de la présence physique de jeunes que j'avais jamais dans mes conférences avant, je trouve ça très, très encourageant. Merci. Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux. Alors, les passerelles inattendues du côté de Curieux, déjà, pour faire un peu l'historique, quand je suis arrivé dans les centres de sciences pour lancer Curieux, j'étais pas forcément bien vu. Parce que dans les centres, il y avait quand même une vision des réseaux sociaux qui était un peu négative, en disant que ça servait un peu à rien, que ça abrutissait le public, etc. Et c'était surtout utilisé pour faire la promotion d'événements et autres. Et la nouveauté avec Curieux, c'est qu'on s'est dit que globalement, il y avait forcément un lien entre faire entre le digital et le présentiel dans les deux sens. Et donc, on n'était pas, c'était pas forcément deux canaux différents qui étaient parallèles et qui se rejoignaient jamais. Et donc, l'idée de Curieux, c'était de se dire, on peut très bien aussi utiliser ce qui se passe dans les centres, montrer ce qui est cool dans les centres que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'il y a peut-être une violence symbolique par rapport au musée, par rapport au centre de sciences, en se disant, bah, c'est pas pour moi, j'ai rien à faire là-bas, rien à faire là-dedans. Et donc, on a en fait produit du contenu au cœur des expositions. Et on a montré qu'il s'y passait des choses super chouettes, intéressantes, ouvertes pour plein de publics. Et ce qui était vraiment cool, c'est qu'on s'est rendu compte en voyant les commentaires, bah, des gens qui disaient, Ah, t'as vu, ça se passe à Bordeaux, faut qu'on y aille, c'est génial. Ou on a tout simplement vu des gens qui en arrivant à Cap Science à Bordeaux, nous disaient, bah, je suis venu parce que j'ai vu une vidéo sur Internet qui montrait telle animation dans l'exposition. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et du coup, ce qui s'est passé, l'effet un peu inattendu, c'est qu'après, au départ, c'était pas très bien vu, on va dire, les réseaux, et qu'après, les médiateurs des centres voulaient produire du contenu. Et donc, on a eu plein de médiateurs qui se sont appropriés l'outil, qui nous demandaient des conseils et qui faisaient des vidéos pour montrer les ateliers qu'ils animaient, quoi. Et ça, c'était vraiment hyper chouette. Et donc maintenant, tout le monde est à fond derrière Curieux dans les centres et c'est devenu un outil pour faire de la médiation et faire venir les gens aussi aux événements, conférences, ateliers, expositions. Parfait, alors peut-être que c'est le temps de faire une nouvelle pause vidéo, cette fois-ci avec un format, la troisième vidéo de Julien Bobrov pour Enzo dans les coulisses, si on peut regarder ça, et on se retrouve juste après. Bonjour, alors petite surprise du jour, j'étais en train de lire cet article hein, et puis j'arrive à la figure 2. Et là, je découvre ici sur la figure des unités que je ne connaissais pas, les Modified Julian Date. Bon, alors en plus, je m'appelle Julien, donc j'ai été de surprise en surprise. Donc déjà, j'ai découvert qu'à chaque fois qu'une expérience dure très longtemps, genre 2-3 ans, on ne va pas compter ça en années, on va compter ça en jours. Et pour ça, ils ont choisi le calendrier Julien. Alors le calendrier Julien, c'est un truc de dingue. Donc c'est un érudit qui s'appelle Juste Scaliger au XVIe siècle qui décide de trouver une date à partir de laquelle on va tout compter. Et il se dit, ça serait bien que cette date, elle tombe bien rond. Et donc c'est maintenant que le délire commence. Il calcule que cette date doit tomber un lundi, un 1er janvier, qu'il faudrait qu'elle tombe au début d'un cycle solaire calendaire. Faudrait aussi que ça soit au début d'un cycle métonique. Ça, c'est un cycle de 19 ans où, en gros, tous les 19 ans, les phases de la Lune se retrouvent à peu près au même jour. Il faudrait que ça tombe au début d'une année tous les 4 ans, un bissextile. Et alors le pompon dans le délire, il faudrait que ça soit au début d'un cycle d'indiction romaine. En gros, les Romains, tous les 15 ans, ils réévaluaient les impôts. Donc il fait un petit calcul, et pour que tout tombe en phase, il faut que ça démarre le 1er janvier 4713 avant Jésus-Christ. Et alors on arrive dans les années 1960, et là les physiciens sont catastrophés, parce qu'ils vont envoyer les premiers satellites dans l'espace, notamment Spoutnik, et l'informatique est tellement limitée à l'époque que ça ne va pas pouvoir gérer un trop gros nombre. Et donc ils se disent, il faut qu'on réduise ce nombre. Donc ils inventent le calendrier de Julien modifié qui commence le 17 novembre 1958 et qui compte le nombre de jours écoulés depuis. Bonne journée! Alors Julien, encore une nouvelle création avec un joli bonjour et une belle journée à la fin. Et sincèrement, si tu les enlèves, moi je serais très en colère parce que je pense que maintenant c'est ta marque de fabrique. Peut-être on peut revenir quand même, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour que ça soit plus clair pour les gens. Une semaine type dans la physique autrement, dans ton équipe, comment vous vous organisez en termes de production? Raconte-nous le calendrier, l'agenda. Tu as parlé rapidement tout à l'heure, il me faut à peu près tant de temps pour le préparer. Comment choisir des sujets, pourquoi tel sujet, pas un autre. Raconte-nous une Ah ouais, semaine non, type. alors là, vous allez être déçus. Donc, c'est moi tout seul qui choisis les sujets. Je me mets devant mon téléphone. Donc, en général, je me fais ça le mardi matin chez moi ou bien à un moment donné au boulot. Je prends mon téléphone, je me mets dans une pièce. Je dis rentrez pas dans la pièce parce que là, j'enregistre. Et je m'en fais trois à la suite en général. Donc, je laisse la caméra tourner et puis je m'en enregistre trois. Je les transfère. J'enlève les petits bouts quand je me suis raté dans la langue. Donc, en général, une vidéo, j'ai 3-4 minutes de parole et à la fin, ben, il n'en reste qu'une minute trente. Et puis après, il y a une autre personne dans l'équipe qui m'aide, donc on se répartit une vidéo sur deux, elle la prend, l'autre je la prends, et chacun on doit la monter.
On a un Google Doc partagé où on dit qui met quelle vidéo quel jour, en sachant qu'on a une vidéo tous les 2 jours, quoi qu'il arrive. Et on essaye juste d'alterner un petit peu histoire des sciences, sujet récent, sujet un peu compliqué. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment minable comme processus de production. Je veux dire, par rapport au côté vraiment professionnel, au nombre de personnes impliquées et tout, et on l'a bien vu quand on regarde les vidéos de ce que fait Julien avec Curieux, moi, c'est vraiment l'amateur, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ces deux regards. C'est-à-dire que, et puis par rapport aux gens à qui on parle, il y a des gens qui vont se placer du point de vue de leur institution, de leur service de com, de leur musée de sciences, et qui vont se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, clairement, je trouve que le modèle de Julien, il est fabuleux. C'est-à-dire trouver l'argent pour payer des vrais pros qui vont vous faire un vrai travail avec de la bonne caméra, du bon stop motion, etc., etc. Et moi, je suis pour ça. Et c'est ce que je fais, moi, sur tous les autres projets de l'équipe. On travaille qu'avec des professionnels. Et puis, il y a un autre point de vue qui est allez, vous pouvez le faire vous-même, un amateur. Peut-être que vous allez planter, vous n'allez peut-être pas vous planter. Mais il n'y a pas une marge d'entrée monstrueuse. Évidemment, il ne faut pas essayer de vouloir faire ce que fait Curieux tout de suite. Il faut essayer plutôt de vouloir faire ce que je fais moi, c'est-à-dire on peut se rater un peu, on est face caméra. Mais il y a une grande tolérance pour ça, en fait, pour l'amateurisme et pour le côté perso. Et donc, on est dans sa chambre, on raconte son truc. Ça marche, ça ne marche pas, on peut essayer. Et la marge d'entrée n'est pas très compliquée. Je m'étais amusé à faire à l'époque un tweet, enfin un thread, je me souviens, sur Twitter, en disant tous les formats qu'on avait testés. Alors il y avait la petite bio express, il y avait le top 5, il y avait l'article récent, il y avait la formule qu'on explique, il y avait le petite anecdote historique, etc. Et chacun peut aller piocher là-dedans et trouver une idée d'un truc qu'il peut essayer de faire sur, alors là je parle plutôt aux chercheurs, hein, aux universitaires, sur sa propre science. Une question qui se pose derrière, moi je trouve qui est quand même importante, parce qu'il y a ce que fait Julien et ce que je fais moi, c'est qui a quelle place, est-ce qu'il faut vraiment que les universités s'y collent si des organismes et puis des institutions comme Curieux le font si bien? Et est-ce qu'après tout, on ne peut pas déléguer ça aux professionnels de la médiation et pourquoi il faudrait qu'on fasse ça nous-mêmes? Là, moi, je pense que quand même, il faut que les deux existent parce que moi, je crée un lien direct, un peu personnel avec le public qui peut soudain parler à un chercheur en direct. Et il y a un truc quand même humain dans le témoignage, dans l'expérience et dans moi, ce que je représente aussi, qui est, je pense, complémentaire de ce qui peut se jouer de façon vachement plus professionnelle chez Curieux. Et donc, je pense qu'il faut garder les deux. Et là, quand même, je peux pousser un petit cri d'alarme auprès de tous les gens qui nous regardent. Actuellement, alors je me suis peut-être trompé, hein, mais en physique, en tous les cas, je pense que je suis le seul universitaire en France à être sur TikTok. Je me trompe peut-être, mais avec une production régulière. En science, je pense qu'on n'est pas nombreux non plus. Et alors, ceux qui sont le plus suivis sur TikTok, dans le champ de la physique, par exemple, ou des maths, c'est les profs de lycée. C'est eux qui ont les comptes stars, d'accord? Parce qu'ils ont occupé le terrain. Et donc, ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, je trouve qu'ils font un boulot super, hein, donc il ne faut surtout pas les enlever. Mais je trouve important qu'il y ait aussi une parole à un moment donné universitaire, une parole de chercheurs et de chercheuses, de gens qui sont un peu ben voilà, aux frontières des connaissances dans leur domaine et qui témoignent de ça, même si c'est peut-être plus maladroit, différent, que ça touche moins de public. Mais je pense qu'il faut qu'on soit là. Donc moi, mon message, c'est venez, quoi. Alors, il peut y avoir plein de réticences que je comprendrai, mais parmi tous les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent tenter l'aventure, c'est pas hyper compliqué. Je trouve ça bien moins dur que de se lancer sur YouTube ou que de se lancer sur un blog ou des choses comme ça. Voilà, je trouve que la barrière d'entrée est vachement moins haute. Merci pour ces retours. En effet, je partage, hein, il faut qu'il y ait plus de monde sur ces réseaux-là. Irène Christofori, c'est intéressant parce qu'on est là sur le back-office en fait, du fonctionnement de la production d'une vidéo. Mais j'aimerais bien qu'on aille aussi sur le back-office de la recherche, de votre travail. C'est-à-dire, vous nous avez présenté ce que vous êtes en train de faire, les projets que vous portez, ce que dit la science sur le développement du cerveau autour des adolescents. Quand on est enseignant-chercheur, ça se passe comment? Comment on travaille pour analyser le cerveau? C'est une bonne question, très... J'essaierai de répondre de façon exhaustive. Donc, pour étudier le cerveau, donc on peut utiliser différentes techniques. Donc, on a différentes méthodes qui nous permettent effectivement de visualiser l'activité cérébrale de façon plus ou moins directe lorsque les sujets sont en train de faire des tâches cognitives. Dans les cas des études sur TikTok, par exemple, les sujets ils étaient en train de visualiser des vidéos de TikTok. Donc, des vidéos qui étaient générées pour eux-mêmes ou des vidéos qui n'étaient pas intéressantes pour eux, par exemple. Donc, cela avait mis en évidence que, effectivement, les vidéos générées par l'algorithme, par la personne, engageaient des ressources neurale tel que le système de la récompense qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, évidemment... Les gens ont des capteurs, c'est ça? Comment c'est... Ça peut être ça, résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on met les sujets dans un scanner et on mesure son oxygénation, donc l'oxygénation du cerveau. Donc, plus le cerveau est oxygéné, plus on
on considère que cette région elle est impliquée dans la tâche cognitive que le sujet est en train de faire. On a des techniques moins invasives, on va dire, on peut mettre un EEG, un électroencéphalogramme sur le cerveau et de la même façon positionner les sujets à des différentes tâches. Il y a d'autres méthodes un peu plus invasives, on peut simuler le cerveau pour réduire son activité et voir comment le fonctionnement est modulé. Ou on peut même inhiber une fonction. On peut temporairement créer une lésion, entre guillemets, pour quelques secondes dans le cerveau pour vraiment pouvoir avoir une corrélation entre la structure et la fonction cognitive. Après, bien évidemment, ça, c'est des études complexes parce qu'on peut imaginer qu'il y a plein de variables qui vont intervenir sur ces aspects-là. Chaque cerveau est différent, chaque individu est différent. On voit que les effets des écrans sur le cerveau peuvent être très différents selon, on va dire, les contextes économiques et sociaux de la personne. Donc, rester 3 heures sur un réseau pour un enfant, un adolescent qui a plein de possibilités, qui a un entourage supportif bien différent, des effets qui peuvent entraîner sur un enfant qui a plus de difficultés, on va dire, et a moins de support familial, social, etc. Donc, c'est des aspects dont on se rend de plus en plus compte et qu'on est en train de, voilà, de les voir et analyser de façon conjointe, en fait. Des variabilités, on va dire. Pardon, merci. Julien Picarmonet, du côté de Curieux, une semaine type d'organisation pour une production, là j'imagine on est mercredi, des vidéos sortent tous les jours chez vous, c'est quoi l'organisation de l'équipe de Curieux? Alors, l'organisation c'est qu'on a 2 pôles de production différents et 1 pôle de diffusion. Donc le premier pôle de production ce sont les journalistes scientifiques, donc un RedChef qui suit la production d'articles de 3000 signes, qui sont livrés au fur et à mesure d'après un planning de production. Et de l'autre côté, dans l'autre pôle de production qui gère les BD, les vidéos et les podcasts, bah là c'est pareil, vous avez en fait un planning, un chemin de fer, comme on dit dans les médias, un chemin de fer que vous suivez, et vous avez des jours calés pour travailler sur tel ou tel projet. Donc ça c'est pour la partie organisation de production. En termes de choix des sujets, on a un comité éditorial tous les jeudis à 14h dans lequel on se réunit, on parle des audiences de la semaine dernière, ce qui se passe, des partenariats, on discute un peu des sujets chauds, des idées qu'on a pu avoir. Et s'il y a vraiment un sujet très chaud, on essaie de le caler dans le planning de production pour le produire le plus vite possible. Mais on fait souvent, un peu comme un autre média qui s'appelle The Conversation, qu'on suit beaucoup, on essaye un peu d'anticiper ce qui va se passer. C'est-à-dire, dans l'année, vous avez des marronniers, vous avez ce qu'on appelle des marronniers dans les médias, c'est-à-dire des saisons où vous savez qu'on va parler de tel ou tel sujet qui va intéresser les gens. Par exemple, là, on va arriver l'été, on va parler des noyades dans l'océan, du bronzage, des choses comme ça. Donc ça, on essaie d'anticiper, de produire les contenus en avance pour les avoir à l'instant T quand on doit les diffuser, au moment où ça va intéresser les gens. Et là, dans ce cas, pour ces sujets-là, on se réunit tous les 3 mois et on fait ce qu'on appelle un comité de sujets. C'est-à-dire qu'on pendant 3 heures, on est tous autour de la table, on est tous venus avec nos idées de sujet et on détermine, en fonction notamment de critères budgétaires, parce que ce n'est pas illimité, les sujets que l'on veut faire et qu'on veut produire et qu'on estime tous comme étant intéressants, en sachant qu'on a un mode de fonctionnement où on doit tous être d'accord pour un sujet. Et que ce soit moi ou le red chef ou les responsables de prod, on est au même niveau que tout le monde. Et on estime d'avoir, on veut que tout le monde soit d'accord sur tel ou tel sujet, il n'y a pas d'arbitrage d'un chef ou autre. Donc c'est notre mode de fonctionnement. Et une fois que c'est validé, bah après chacun l'insère dans son fameux chemin de fer dont je vous ai parlé. C'est livré et après ça passe dans le fameux pôle diffusion que je vous ai parlé, qui se gère de le diffuser partout, là où c'est possible et imaginable. Il y a un point aussi que je voulais vous dire, c'est que budgétairement, on n'est pas, on n'a pas les budgets d'un média comme Brut ou autre, hein, on n'est que 9 titulaires. Brut, je crois qu'ils sont entre 200 et 300, je crois. On essaye d'exploiter tous nos contenus le plus possible dans différents formats. Donc, par exemple, quand un journaliste a écrit un article 3000 signes, généralement, cet article il est décliné en vidéo.
Il est décliné en format texte pour Instagram. Il est même quelquefois utilisé pour faire d'autres formats in situ dans les centres. Donc tous les contenus sont utilisés dans tous les sens, aussi bien sur le digital que sur le territorial. Donc j'ai des vidéos de curieux qui sont aussi utilisées par les centres pour diffusion lors d'animations dans les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc on est vraiment dans une logique un peu industrielle où tout ce qu'on produit doit être utilisé le plus possible. Et on est même arrivé à un point où on raisonne comme les chaînes de télévision. C'est-à-dire qu'un contenu qui a été diffusé par exemple en janvier 2020, ben, on ne s'interdit pas de le reposter plusieurs fois sur nos comptes. Parce que tout simplement, ben, on a des nouveaux abonnés tout le temps. Et puis tout le monde n'est pas connecté tout le temps. Donc peut-être que certaines personnes ne l'ont pas vu en janvier 2020. Donc on va le reposter 3-4 mois après pour aller chercher un autre public. Et ça continue à faire de l'audience. Donc les contenus ont des cycles de vie vraiment assez longs et différents formats derrière. Est-ce que vous avez la possibilité au public de vous faire remonter des envies de sujet? Oui, alors ça c'est la particularité. Je parlais tout à l'heure de tiers de confiance. Ce n'était pas pour nous la jouer, on est les meilleurs ou autres, hein, pas du tout. C'est juste que comme on parle aux gens finalement tous les jours, puisqu'on diffuse à peu près 10 contenus par jour, toutes plateformes confondues, les gens sont habitués à nous voir en fait tout le temps. Et on fait intervenir des chercheurs, on fait intervenir des professeurs, il y a des gens de l'équipe qui interviennent et autres. Donc du coup, ils nous connaissent. Et donc très régulièrement, on est tagué sur des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, on nous dit « Curieux Live, qu'est-ce que t'en penses ?» Aussi, on reçoit des mails beaucoup. Notamment, il y a une époque où on faisait beaucoup de sujets sur la sexualité, mais on a arrêté parce que TikTok et Instagram, maintenant, ont vraiment une censure très forte sur ces sujets-là, comme ils étaient un peu surveillés. Et donc, c'est très compliqué de traiter ces sujets-là. Mais il y a un moment, en 2021, on en faisait beaucoup parce que c'était notre communauté nous demandait beaucoup de sujets comme ça. Et en fait, je recevais quasiment 10 mails par jour de gens qui me posaient des questions sur la contraception, sur des cas très particuliers de leur vie. J'ai des boutons, je sais pas, des questions. J'ai des boutons sur mon pénis, qu'est-ce que je dois faire? Donc, moi qui gérais le mail contact, je passais mes journées à dire « Allez voir un médecin ». voilà, mais c'est pour vous situer le niveau de confiance qu'on avait, c'est que j'avais des mails hyper personnels d'histoire, j'ai pas envie de voir ça, hein, mais j'avais vraiment des détails hyper précis de leur vie sexuelle, et on me posait des questions comme si j'étais vraiment un membre de la famille sur ce que je devais faire. Donc évidemment, je renvoyais vers des professionnels de santé. Donc c'est pour vous situer qu'il y a un vrai besoin, et je rejoins Julien Bobroff, il y a vraiment un besoin que des gens qui ont, des sources scientifiques fiables, et une envie d'aider un peu le grand public, arrive sur les réseaux et répondre à toutes ces questions que les gens se posent, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont juste paumés, en fait, et qui n'arrivent plus à s'y retrouver dans cette quantité incroyable d'informations. Peut-être pour, merci Julien, pour aller sur une dernière partie, alors il faut aussi évoquer quand même les soucis de TikTok, parce que TikTok c'est un réseau qui est aussi complexe, son appartenance à la Chine bien évidemment, il est critiqué par de nombreux États pour ses relations très étroites avec la Chine, produire du contenu sur ce média-là peut interroger également et peut faire peur à certains et certaines d'aller sur ce type de réseau-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous êtes posé cette question-là, Julien Bobroff, quand vous êtes parti sur TikTok, est-ce que ça fait partie des sujets qui sont traités également? Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer, parce que par rapport à mes convictions, mon éthique personnelle et puis aussi mon rapport aux réseaux sociaux et au fait que moi, je partage beaucoup des problèmes soulevés par Irène sur le temps d'écran et autres. Moi aussi, j'ai des enfants. Je me suis posé des questions et on a hésité. Moi, je pense pendant 6 mois, on a hésité à y aller. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, bon, allez, on tente quand même parce qu'il faut être présent. Mais je ne suis pas complètement satisfait de ça. Peut-être que j'arrêterai au bout d'un moment. Alors, un truc qui m'a un petit peu... pas du tout soulager la conscience, mais qui change un tout petit peu, c'est que maintenant, on le fait sur tous les réseaux, donc on n'est plus que sur TikTok, et maintenant on est beaucoup sur Instagram, sur Facebook, on dilue un petit peu la culpabilité entre tous les réseaux, mais c'est pas terrible quand même, donc moi je partage tous les problèmes, tous les soucis, et je pense que la question elle est très légitime de dire est-ce qu'on doit en être, est-ce que moi par exemple en tant que fonctionnaire quand même, représentant d'une certaine manière l'université et l'État, est-ce que je dois me corrompre dans des formats ultra courts, sur des plateformes qui encouragent quand même des choses qui ne sont pas toujours très, très, très haut niveau? Je ne sais pas bien répondre à ça et je ne suis pas absolument convaincu que je fais la bonne chose. Moi, je vais être très modeste, je ne sais pas. Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que ça l'est encore? Alors, c'est un vaste débat, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais la problématique, elle est assez simple. C'est que déjà, si on n'y est pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place et on ne sait pas ce qu'il va dire exactement, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai ou pas. Déjà, la première chose. Et puis la seconde chose, si on veut parler à un public qu'on ne voit jamais dans les centres de sciences, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont déserté les autres médias
Il y a un chiffre que je dis souvent par rapport à l'âge moyen des émissions qu'on qualifie nous comme étant jeunes à la télévision. J'ai les âges sous les yeux parce que je trouve que c'est assez parlant, mais touche pas à mon poste, l'âge moyen c'est 50 ans hein, sur son émission. Quotidien, qui est soi-disant l'émission des jeunes, c'est 46 ans, l'âge moyen. Donc si vous voulez parler aux 15, 20, 25 ans, bah, la télé, c'est pas le bon endroit, la radio, c'est plus vraiment le bon endroit, et la presse, papier, c'est plus le bon endroit non plus. Donc on n'a pas vraiment le choix si on veut aussi parler à ces gens-là, les sensibiliser à des sujets, je vous parlais de la sexualité, de l'environnement, plein de choses comme ça, bah, on est un peu, c'est un passage obligé, quoi, quelque part. On est obligé de passer par là. Voilà, c'était ma conviction. Ouais, je peux peut-être juste rajouter un truc. Nous, moi, un des commentaires numéro un que j'ai. Alors, j'ai deux commentaires qui viennent absolument tout le temps. Premier, c'est à quoi ça sert? Parce que j'explique des trucs de physique fondamentale et ça rend fou les gens qui me disent, mais à quoi ça sert? Bon, d'accord. L'autre commentaire, quand même, qui lui, quand même, est très satisfaisant, c'est toujours des phrases un peu énervées de genre, heureusement que vous êtes là, parce que dans mon fil d'information et tout, vous êtes le seul truc que j'apprends de la journée, tout le reste, c'est n'importe quoi. Bon, ils y sont quand même, hein, donc je suis lucide parce que moi aussi, j'utilise ces réseaux sociaux et on ne regarde pas que des choses hyper intelligentes, hyper culturelles et tout. Mais il y a ce truc, quand même, qui beaucoup, beaucoup de gens me disent, ah là là, vous êtes le seul moment où j'ai appris un truc dans la journée, ou enfin un moment de clarté, etc., etc. Et ça revient vraiment très, très souvent. Donc, les gens ont ce besoin-là, alors peut-être que ça les déculpabilise aussi de faire une heure de n'importe quoi pour avoir une minute peut-être d'un truc un petit peu plus culturel ou autre, j'en sais rien. Mais moi, je partage beaucoup ce que dit Julien, c'est-à-dire que nous, on y a été parce que c'est l'endroit où il y a le public que nous, on voulait toucher, même si ça pose plein de questions. Irène Christofori, puisqu'on est sur les questions, il y a un choix complexe, là on le voit, cornélien, entre apporter du contenu de culture scientifique de qualité, avec des choses, on l'a vu avec les contenus des deux Juliens qui sont absolument géniaux, et à la fois c'est rajouter des écrans à des écrans. Quand on est parent, éducateur, adolescent, je le disais tout à l'heure, ça peut être un combat le soir, et puis vous nous avez présenté aussi les dommages que ça peut créer sur le développement des cerveaux de nos enfants. Comment on fait pour vivre dans une société tout numérique, avec des écrans partout? Je pense que seulement il y a les besoins de modernisation de l'éducation et la façon dans laquelle on doit donner envie à nos enfants, nos adolescents, de l'importance d'apprendre. Donc là, aujourd'hui, tout est disponible. Donc est-ce qu'il y a encore besoin d'apprendre des choses très utiliser la mémoire comme avant? Oui, parce que le cerveau, afin de bien se développer, doit travailler. C'est lorsqu'on s'engage dans une tâche que vraiment on s'approprie et on construit du contenu qui va rester pour longtemps. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'un côté d'attirer les jeunes, ça je les comprends, mais aussi peut-être de faire comprendre l'importance aussi de l'engagement et de l'apprentissage de façon un peu plus, on va dire, qui implique une attention et un travail. Parce que, effectivement, même si je comprends tout à fait l'intérêt d'attirer les jeunes, de produire du contenu qui puisse leur faire apprendre des choses, la question qui se pose, est-ce que ces contenus, pour combien de temps il va rester en mémoire une fois que c'est juste visualisé, une fois, est-ce que c'est vraiment. Je les trouve une opportunité unique pour attirer les jeunes et peut-être sensibiliser les femmes aux sciences, à la physique, etc. Je pense qu'on doit s'élancer, on est obligé de faire évoluer l'éducation, mais je pense que c'est important de sensibiliser aussi sur le fait que pour apprendre, on a vraiment besoin de travailler et de faire des choses pratiques. Voilà. Merci Irène. Alors c'est une bonne conclusion aussi pour ça, avant de vous laisser là, une dernière parole. C'est un alliage qui est intéressant, l'entrée par les réseaux sociaux et capter des nouveaux publics. On voit que c'est un impact fort pour vous et c'est une vraie conquête. Si ça peut leur permettre de rentrer en interaction plus tard avec des médiateurs en présentiel dans un centre de sciences ou sur un événement, on sera dans le faire et dans ce que vous disiez Irène sur la notion de manipulation et d'expérimentation. Il y a un savant dosage à trouver qui n'est jamais évident et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va donner les bonnes réponses. On était plus là pour aiguiller tout le monde. Julien Mobroff, je sais qu'il y a beaucoup de cartons chez vous dans la physique autrement avec plein de projets. C'est quoi la prochaine aventure qui va arriver sur un écran ou ailleurs? Ben en fait, c'est nos 10 ans, donc on est en train de préparer l'anniversaire le plus débile au monde, où on va faire un anniversaire quantique avec plein d'événements dans tous les sens, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est comment faire un anniversaire qui ne soit pas ennuyeux et auto-célébrant.
et comment décliner ce thème de l'anniversaire avec évidemment de la physique. Et donc, il va y avoir plein d'événements à la fois en événementiel et avec les réseaux. Et justement, on va essayer d'explorer ce truc. Est-ce qu'on peut essayer de ramener des gens dans des vrais trucs en présentiel, par exemple une balade dans Paris ou un truc comme ça, à partir des réseaux et explorer un peu ces passerelles-là. On est en train d'inventer des conférences d'un genre nouveau aussi. On va avoir une expo sur le mode du GR quantique. On fait une expo comme si on parcourait un GR. Et donc, ça va être des événements en présentiel. Et tout l'enjeu pour nous, c'est créer des passerelles entre ce monde du distanciel où on a capté 500 000 abonnés, mais qui sont une espèce de matière virtuelle un peu étrange, et les ramener en vrai, et les voir en vrai, et les amener en vrai pour passer à cette autre étape dont parle Irène, et à laquelle moi je suis sensible parce que je suis enseignant, et je sais qu'enseigner, c'est pas comme faire un truc d'une minute trente sur les réseaux sociaux. J'avais dit un carton, tu m'en as sorti 10, c'est parfait. Julien Picard-Monnet, du côté de Curieux, c'est quoi les prochains cartons qui vont sortir ? Alors déjà, c'est réussir à faire des formats longs sur YouTube, parce que c'est un objectif, on voudrait essayer de... Parce que sur YouTube, il y a le concurrent direct de TikTok, hein, les formats courts, vidéo, c'est la même chose. On voudrait réussir à avoir des formats plus longs, de 5-10 minutes, et donc partir de notre audience de formats courts et les emmener sur des formats longs. Et aussi également, on s'est lancé dans les podcasts depuis 2 mois à peu près. Donc là, on fait 4000 téléchargements par mois à peu près. Et donc, on voudrait réussir à transférer notre audience un peu sur les podcasts pour leur proposer des choses un peu plus longues, de 30-45 minutes avec des interviews de chercheurs. On fait aussi des podcasts immersifs où on va tourner dans les blocs opératoires. On explique des opérations, comment ça se passe avec des chirurgiens. Donc, on essaie de justement, dans la logique de ce qu'on s'est dit, après avoir capté cette audience sur format court, de l'essayer de les pousser un peu sur des formats plus longs. Merci. Et Irène Cristofori, pour terminer, les prochaines étapes de la construction du savoir, de votre côté, c'est quoi ? Il y a beaucoup de choses à faire, je crois. C'est vraiment un terrain en tout développement. Il y a vraiment les premières études qui sortent sur les effets de ces formats courts sur les cerveaux. Donc, il y a énormément de travail à faire. Et surtout, peut-être mieux comprendre les aspects individuels de chacun. Donc, comme je disais, chaque cerveau est différent, chaque personne elle est dans un milieu différent. Donc, essayer d'avoir des neurosciences un peu plus individualisées, spécialisées pour chaque catégorie de sujets. Donc, les mêmes effets, les mêmes produits n'ont pas les mêmes effets sur toutes les personnes. Donc, voilà, d'avoir un peu plus de spécificité. Mais merci beaucoup. Alors, pour terminer, je voulais casser un peu les codes, puisqu'on a parlé des écrans et voilà, de TikTok. Vous présentez deux livres avec des pages et qu'il faut tourner et qu'il faut lire. C'est pas du tout la même chose. C'est deux coups de cœur. Je voulais finir avec deux livres. C'était sympathique. Donc, l'Odyssée des fourmis, peut-être que vous l'avez vu passer. C'est la dernière création d'Audrey Dussautour et Antoine Bistra qui vous propose une formidable aventure à la découverte des fourmis. Je vais le mettre comme ça, comme il faut. Je ne suis pas spécialiste. Les fourmis vont chercher de la nourriture, bien évidemment. Elles sont armées. Elles ont chacune des missions bien particulières. Et c'est un vrai roman d'aventure. J'ai adoré le découvrir. Je vous invite à le regarder. Et puis, un livre jeunesse, plus pour les plus jeunes, moins ados, qui s'appelle Grandiose. C'est un énorme bouquin. Hop, je vais le mettre comme ça. Qui est absolument sublime. Un bouquin écrit par Benjamin Flow, qui parvient à vous montrer toute l'immensité, la version XXL de la nature, avec des cactus qui peuvent être absolument dingues, 25 tonnes, des arbres gigantesques. C'est un très, très, très beau livre. Je voulais terminer sur ces deux livres-là. Terminer aussi pour vous remercier, Irène Cristofori, Julien Bobroff et Julien Picard-Monnet, d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'était absolument passionnant. J'espère que les gens ont trouvé ça aussi passionnant. Remercier Enzo derrière, qui a géré toute la technique. Vous annoncez qu'il y aura d'autres webinaires qui vont arriver avant décembre sur différents sujets comme l'astronomie, le livre et les sciences, avec d'autres intervenants et d'autres rencontres. Vous remerciez très chaleureusement et vous souhaitez, comme le dit Julien, une belle journée. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.